tout de suite que n'a pas entré dans avant-dernier génie qui c'est 33e génie et qui c'est une puissance. Nous pas définir ça puissance parce que nous sommes dans chérubin, aller dans tout, nous entrer dans domination, nous allons parler dans ça que les puissances sont puissances liées. Pas bien toujours dit nous que l'on parle de puissance, parle de domination, parle de trône, c'est un groupe génie qui caractérise, qui vous regarde, qui fait partie d'un conseil. Là, il y a des mêmes gens qui ont un gouvernement, des ministres, des présidents, des directeurs généraux, des casés, des magistrats, des députés, tout ça. Et bien, c'est pour ça que dans ce groupe-là, l'on parle de puissance, qui est capable de. C'est une sorte de comparaison. Et il y a tout ça, il y a tout le monde qui occupe un poste. Et qu'on y a là, nous parlons de 33e génie qui a bien rapport à la date vendredi 7 juillet 2023, qui c'est une puissance, qui c'est Yéhura, qui s'écrit Y-E-H-U-I-H. Pas oublier que nous avons toujours dit, il y a des personnes toujours parler ça. Moi-même, émission rituelle et question, émission de façon positive. Mais il y a des gens qui utilisent les gens d'esprit, ça, gens d'énergie, ça, puisque l'énergie, bon, moi-même, par contre, ça fait toujours besoin de commentaire pour avoir le courant, pour gagner courant au fort, gagner des électrons positifs, négativité. Puisque les géniaux, esprits, ce sont des énergies, pour moi-même penser qu'il y a bien le mal. Mais, mission peut-être se fait bien. Mais il y a des personnes tout qui interpellent par contre de façon négative pour faire du mal. Et il y a des gens qui interpellent un troisième génie, si c'est l'URA, qui sont puissants. Cette réaction négative, ça, l'énergie, ça, les vibrer de façon négative, monde ça la vibre de façon négative, hein, la engendre ce qu'on appelle de la brutalité et ces énergies négatives que la recevoir ou la émettre là, les provoquer ça que les insubordination et les provoquer ça que les révoltes, les provoquer ça que les insensibilité, les provoquer ça que les haines, les provoquer ça que les extrêmes, ça veut dire y a un monde qui vibre de façon négative. Ou peut-être il cap vibrant de façon négative mais qui ça que mon ça apprécie quoi et bien de façon positive que ton troisième génie ça qui c'est Yura c'est une puissance liée c'est que qu'est-ce qu'on puissance nous des puissance en même genre de définiment toi puissance là il domine sur cette capacité à gouverner. Un, c'est le manteau symbole de dignité le manteau symbole de dignité et c'est la gloire du monde. Deuxièmement, c'est la gloire du monde qui c'est pouvoir. Troisième land, c'est la main de la justice. La main de la justice qui c'est maîtrise et il y a 7. Parmi la 4, c'est symbole de l'autorité, symbole de puissance et d'autorité. Et c'est anneau qui c'est symbole de l'influence céleste. Et sixième land, c'est couronne qui est symbole de reine. Et septième land, c'est chaussée poupre, c'est affirmation. Social, c'est même tout à l'heure défini les sept vertus de la domination, les sept vertus de la puissance. Là, nous dit que un, c'est manteau qui est symbole de dignité, c'est la gloire du monde qui est symbole du pouvoir, c'est la main de la justice qui c'est domination et autorité, c'est sept qui c'est symbole de la puissance et autorité, c'est anneau qui c'est cinquième là qui c'est symbole influence et céleste, symbole de l'influence céleste. Sixième, qui c'est couronne, symbole de sérène, chose poupe, affirmation sociale. Ça, c'est les sept vertus. Les sept vertus de la puissance. Ça veut dire, groupe esprit, ça, génie, ça qui fait partie des puissances. Mais bon, sept vertus. Et on a ordre de transmettre, c'est la capacité pour découvrir, qui permet d'assumer les responsabilités, qui permet de devenir maître émotion. Ça veut dire que là, c'est pas puissance qui permet, génie, ça permet à des capacités, qui permet de venir mettre propre tête pour mettre émotion, qui permet de découvrir qui est ou est. Là, nous avons un rapport avec. Génie ça qui fait passer de puissance. Pour cela, et nous connaissons que ni puissance, ni domination, ni chérubin, ni trône, un y a un rapport. Tout ça n'a pas les maintenant là, il y a un rapport avec le rituel de Yé et il y a un rapport avec machine à prière. Et dans la boucle à prier, c'est mardi, vendredi 7 juillet 2023, 7 ou capable de descendre dans la prière ou capable de toujours prier pour descendre n'importe l'ouvre. Parce que sur les si l'on marche avec lui, sur le genou, sur le voile, on est capable toujours d'adresser dans la prière. Pour cela, il y a ce qu'on appelle, toujours dit ça, il y a deux façons. Première étape, là, un, c'est appliquer
rituel d'hier là et prière là qui prière nous pas réciter prière là pour prière de façon posée qui ça dit il dit que subordination intériorisée il dit après avoir effectué le rituel d'hier lire et prononcer la prière suivante j'invoque Yehua souverain puissant pur et saint sacré représentant divin de la lumière éternelle destiné à éclairer l'ordre moral, les règles auxquelles le désir humain doit se plier. Je te demande de m'assigner une place dans la société où je puisse mener à bien et parfaitement le projet de ma vie, sans jamais être dérobé ni dominé par mes passions humaines. Yehua, bienfaiteur céleste, fait que je puisse être fidèle, attaché à mes supérieurs et que ceux-ci m'aident avec ma grande générosité dans mes œuvres. Car c'est de plein gré avec amour et liberté que je désire obéir au bon berger qui me conduit aux grâces et inépuisable, bien nourrit mon corps et mon âme et surtout me sentir rassasié, satisfait, comblé, heureux avec possibilité d'aimer et d'aider si nécessaire tout ce qui m'entoure. Amen. Ça lui dit que génie, ça lui permet que on soit de subordination. C'est pas comme si, évidemment, à dire leur travail, toujours peut-être pas contrôler les émotions, pas dans la logique pour juste et comme si que on travaille en patron et tout de suite pour surmonter, pour nerver, à SAO et des petits problèmes, on est capable de résoudre, capable de maîtriser. Eh bien, et 33e génie que c'est eu avec son puissance et lui permettre à sauvegarder, protéger. Pas oublier tout à l'heure, nous avons les 7 vertus. 7 vertus de la domination, nous parlons de manteau, c'est un symbole de dignité. Nous parlons de symbole de la globe du monde, qui c'est symbole de pouvoir. Nous parlons de la main de la justice, qui c'est 3e, qui c'est domination, qui c'est maîtrise. Nous parlons de sept qui c'est 4e, qui c'est symbole de la puissance et autorité. Nous parlons de 5e, qui c'est anneau, qui c'est symbole d'influence céleste. Nous parlons de 6e, qui c'est couronne, qui c'est symbole de règne. Nous parlons de choses propres, qui c'est affirmation sociale. C'est que, et 33e génie qui a pris rapport avec le handicap 7 juillet 2023, qui sont subordination intériorisée, nous permettra de découvrir toutes les qualités positives. Et j'aime dire moi, certes, il y a des personnes tout de façon négative qui utilisent, j'ai décidé ça surtout en 3e entour, des paroles de qui ça la recevoir des énergies négatives, la vibrer de façon négative. Un, la prendre de ce qu'on appelle la brutalité, la personne qui est subordonnée, la personne qui révolte, la personne qui est sensible, la pratique de la haine, la haine extrême. Et de façon positive, pour ton 3e génie qui c'est Yura, certes, santé, c'est un ange qu'il y a à la colonne vertébrale qui nous donne une grande souplesse. Et vertu, c'est courage et persévérance. Pouvoir, c'est intuition, c'est prendre connaissance. Et travailler, il est l'ange du travail par l'excellent, mais il privilège les postes de pouvoir. Les postes de pouvoir, on y est pouvoir sous ZM. Merci sans plus tarder. L'apprentissage pour nous passer dans DNIA, qui c'est l'IAA, c'est en puissance, c'est 34e génie. Merci beaucoup.